n'importe quoi. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Señor Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien... j'ai complètement déliré. Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... Ah, comment il s'appelle déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shawn. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais... tout repose sur toi, Ezet. Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein. J'ai rien contre le Padre ou Wakako. Mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il dit que tu vas crouler sous les bouleaux et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi. Mais c'est que du business. Grâce à Dios. Estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci, Jack. Super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. Sur l'accélérateur, et c'est... je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Thank you.
ici. Amène-toi, allez. Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. T'as l'air content. Je suis toujours content. Ça rend la vie plus facile. Mais... on a un nouveau boulot de prévu. Pour une grosse pointure de l'afterlife. Ah, ça va être dangereux. Vic, t'as l'air en forme pour un Vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Shawn. Je joue dans la cour des grands, maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Shawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner.
Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Hé, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais ripper. Je te coupe l'image une minute, ok ? Tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? Wouah, c'est mortel, Vic. Nickel. Passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois à tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Laisse pas ta garde. Tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Merci, Misty. Mais, il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le Doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Le
des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tax te ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. J'espère que tout est bien clair. Monsieur V, enchanté. Dexter de Shawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Ouais. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Mais merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet dédié. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. Un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre.
Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. Je vais faire mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidzies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, monsieur Lay. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. J'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Brosse contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Le Dex, hey, va faire quoi? Comment ça va? Se balader en limo en draguant des filles par rolo? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Bon, allez. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouiner un peu. Tâter le